Non, non. Arrête. Tu conduis, non? Non. J'ai la non. flemme. Non. En plus, je suis un peu bourré. Non, d'abord, j'ai conduit à l'aller et puis ensuite, j'ai... moi aussi, je suis bourré. Ça... T'as les clés, non? Ah, c'était sympa, non? Oh, très. Oh là là, je l'adore, Charles. Non, mais vraiment, il est... Il est... Ouf. Elle est gentille, elle aussi, hein? Ouais. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, c'est... Oh, si, quand même, ça fait un an, je crois. C'est ce que je dis, un an, c'est pas long. Et elle mincit, elle, hein? C'est fou, elle est... Mincit? Ah ouais? Ah, ouais, je sais pas, j'ai pas remarqué, ouais. Enfin, elle a du charme. Elle a du charme? Mmh. Quel rapport avec le fait que ça, qu'elle est mincie? Bah, je sais pas. Bah, elle a du charme, ça veut dire ce que ça veut dire, non? Bon, on y va. Ah, vous me faites marrer, tiens. De quoi? Qui te fait marrer? Tu peux me tutoyer, tu sais? Vous, les nanas, je sais pas, là, je fais un mini compliment, même pas un compliment, une remarque sur une fille, une copine à nous, en plus, et ça y est, je sais pas, je sens que tu deviens agressive, quoi? Chiante. Mais oui, ça te plaît pas, quoi. C'est... Bah, je sais pas, tu me dis à la mincie, c'est formidable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, j'avais bien remarqué que t'avais vu qu'elle avait minci, t'as pas arrêté de la mater pendant tout le dîner. C'est à peine si tu m'as adressé la parole, en ce moment que Charlotte est là. N'importe quoi. Voilà, tu vois, je savais que tu te mettrais dans cet état-là si je te mais disais qu'elle avait minci. Mais pourquoi tu me dis si tu sais que ça va et m'énerver? Putain, tu constates qu'elle a minci, puis tu te tais, c'est tout. Ce que je te dis, moi, je sais pas. Oh là là, Charles était resplendissant ce soir, il a un charisme incroyable. Mais dis-le, qu'est-ce que tu veux? Ça me fout, c'est dingue. Ça. Et puis d'abord, j'ai pas dit que Laura était charismatique et resplendissante, j'ai dit qu'elle avait minci. Point. Point. Ça m'aurait étonné. Bon, on y va, non? Ouais. On y va. Tu te demandes jamais de savoir si moi, je... Quoi, quoi, et si quoi? Si je peux avoir envie d'aller avec d'autres mecs, par exemple? Putain. Eh, tu sais quoi? Vas-y. Vas-y avec les autres mecs, mais arrête de me saouler, là, j'en peux plus, tu... Putain, si j'avais su, j'aurais fermé ma gueule, alors là, ça va... Bon, que tu me fais trop chier, tiens, je rentre à pied. Quoi? Non, mais attends, Jérôme, attends, pardon. Je voulais pas t'embêter. Je sais que je suis chiante, pardon. Mais j'ai seulement besoin de savoir que tu m'aimes, tu comprends que tu me le dises. Mélanie, c'est toujours pareil, tu commences par me faire chier, comme c'est pas permis de faire chier quelqu'un sur Terre, et après tu vas entendre que je t'aime, tu trouves ça logique, toi? Je vais voir qui c'est. C'est qui? C'est ma sœur. Elle me dit qu'elle a réussi ses examens. Et elle t'embrasse. Super. On y va? Tu me passes les clés? Oui. Je réponds juste. Et on y va. Tu disais quoi déjà, oh, juste avant? Allez, on y va. Hein?